Ok les potes, bienvenue pour la petite boutique quotidienne. On est le 20 septembre déjà. Ça passe vite les gars. On voit pas le temps passer. Hein. Ah voilà les skins volatiles. Enfin les autres skins volatiles. Il y a tellement de skins oiseaux. Je savais que c'était aujourd'hui sorti. Alors du coup. Alors. Moi j'avais vu en photo les skins. Ouais, ok. La version Lego là ça m'a quoi? Plutôt sympa. Ouais. Moi j'ai vu là, je l'ai vu en photo, mais c'est toujours mieux de les voir dans le casier ou dans la boutique. Enfin, bref, vous avez compris. Vous avez vu comment les sacs à dos. Tout sympa. Alors tu vois avec la skin, quoi, en gros. Ok, double pioche. Ah, bah, la double pioche, elle est grosse, hein. Ah, vous avez deux revêtements, du coup. Vous avez celui-ci, qui est un peu animé, et celui-là aussi. Ok, ça pour 3000 V-Bucks, vous avez tout l'ensemble du pack. Vous avez également séparément les skins sous. Tous les trois à 1200 V-Bucks. La pioche à 800. Les deux revêtements pour 500. On a le retour du skin frisson. Bah, c'est vrai qu'il fait un peu froid en ce moment. C'est dans le bon terme du coup. La spectre du coup de glace. Qui à la base c'était avec le skin la reine de glace, si je dis pas de bêtises. Le hardeur du coup. Alors lui, normalement, il sera avec un skin féminin avec. Ils ont mis que le garçon. Donc, ok. Le skin fall down de disco. Ok, on a du coup le survolteur. Bon, on a un peu de nouveautés dans la boutique, c'est bien. La skin, du coup, vengeresse. Je vous montre à chaque fois le prix, les gars. Parce que moi, je l'ai déjà, j'avais déjà pris. Donc, la skin curieuse. Pour 1200. Du mal chargé. Et du coup, Elgiri, qui est un skin à 800 V-Bucks. Bon, je pense que vous le connaissez plutôt bien, ce skin-là. Billy Lumin, toujours disponible. Terrorson, il était déjà là hier. Malzy aussi, était là hier. Tous les trucs gratuits, ils sont toujours disponibles. Juste au 25, je vous rappelle. Encore 5 jours. Oh! C'est un petit moment que t'es pas revenu en boutique. Du coup, alors c'est une collab avec. Bah, pour ceux qui connaissent le film, Tron, l'héritage. D'ailleurs, moi j'ai bien aimé le film personnellement. Je l'ai vu il y a très longtemps. Je sais pas s'il est sur Netflix ou au Prime Video. Moi je l'ai vu, mais c'était pas sur cette plateforme-là. Je sais plus, je sais plus sur quoi je l'ai vu. Mais je l'ai vu il y a très longtemps, ma fois. Du coup, là, également, le skin là, celui-ci. Je vous montre un par un, de toute façon, c'est. Le même genre de skin, c'est juste la tête qui change. Du skin en. Moi j'avais pris un garçon et une fille. Souvent ce que je fais en général. Donc j'ai pris celui-là en fille. Parce que j'aime bien la coupe de cheveux. C'est vraiment une question de coupe de cheveux, alors, littéralement. Il y a également celui-ci. Celui-là. Celui-ci. Et la dernière du coup. Voilà. Ensuite également le petit. Par contre, j'adore. C'est un moto futuriste. Ensuite, il y en a également toujours disponible le skin. Sorti hier, le burger version Ghost Rider. Également séparément. On a toujours version Iron Man. Également séparément si vous voulez que le skin, la plage, enfin bref, vous avez compris. Black Cat toujours disponible bien sûr. Ok, séparément également. Des poules Wolverine, pareil. Ok, juste là. Pour l'instant les gars, ça on l'a déjà vu. C'était déjà là hier et avant-hier, etc. Bon là c'est tous les skins CCS. Ça c'est déjà là aussi. Ça aussi. Tout ce qu'on a déjà vu hier les gars. Ok, là, depuis 3-4 jours, on va en bas doucement. Ok. Là, bon, c'est normal, reste là pendant un moment encore. Les voitures. Ok, les voitures, toujours. Et le petit chat de Fortnite. Ok, on a peut-être une bonne boutique dans l'ensemble, les gars. Dites-moi en commentaire, vous en pensez quoi, du coup, des skins, la bande des volatiles. Ouais, ils sont plutôt drôles, en vrai. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien les skins un peu rigolos, bah, fun. C'est vrai que j'achèterais peut-être les 3000 bucks, c'est trop cher, les gars. Si j'achète le pack, j'aurai pratiquement plus de V-Bucks. Et je veux garder les V-Bucks parce que bientôt il y a les skins d'Halloween qui vont arriver. Et je préfère garder les V-Bucks pour les skins d'Halloween qui vont arriver. Ça m'embêterait de mettre des V-Bucks juste parce que ceux-là j'achète. En plus, bah, je joue pas tellement avec les pioches doubles, etc. Donc si je prends le pack, je prendrai que les skins que je jouerai, quoi. En gros, le revêtement peut-être à la rigueur, celui qui est coloré, mais voilà. Bref. Dites-moi en commentaire, vous en pensez quoi? Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et prochain live. D'ailleurs, à la base, je devais live ce soir, mais j'étais à fond dans le Lego aujourd'hui. J'ai fait toutes les quêtes Lego. J'ai rush comme une malade. Vraiment. Je vous jure, les gars, j'ai. Les Lego, je les ai vraiment rush. Ah, je peux vous montrer si vous me croyez pas. Hein. Je vous montre rapidement pour ceux qui. Voilà, là, passe les bases Lego. J'ai les 4 récompenses qui sont ici. Et j'ai fait tous les défis. Du coup, voilà, bah ça c'est des défis quotidiens. Pourquoi c'est bizarre, j'en ai que deux là. Donc c'est un bug, du coup j'en ai que deux.
Rip, à moi. Là, j'attends les prochains défis. Dans 4 jours, les gars. Dans 4 jours. Bref, sur ce, moi, je vous dis à demain. Allez, tchuss!